des bouteilles en plastique, des ciseaux, du scotch et de l'eau. Avec ces simples outils, les enfants des quartiers prioritaires de Faa se lancent dans la fabrication de fusées à eau. Le club ZEF leur propose aussi de confectionner des cerfs-volants, des bateaux à moteur et des montgolfières en papier de soie pour les plus âgés. Je fabrique une fusée à eau pour faire voler en haut. On pompe et ensuite ça part. Et quand ça va le plus loin, c'est bien. Je vais aller arroser mes amis. Chaque semaine, le club ZEF accueille une quinzaine d'enfants. Ces ateliers sont initiés par la mairie de Faa et financés par le CUCS et les PAP. Amenés par leurs référentes de quartier, les enfants peuvent découvrir de nouveaux horizons. Les formateurs veulent apprendre aux jeunes des techniques de construction, des règles de sécurité et surtout leur donner envie de découvrir davantage. La chose essentielle déjà, c'est de les faire sortir de leur quartier, de leur montrer un autre environnement et ensuite donc vraiment de leur donner envie peut-être de découvrir d'autres choses pour que plus tard dans la vie, en fait, ils puissent soit avoir envie de partir dans une voie scientifique, soit avoir envie de creuser les choses pour pouvoir aller plus loin en général, en fait, dans la vie après. Et à plus d'eau. Les enfants s'amusent, ils sont aussi contents d'apprendre de nouvelles choses. Cette expérience ludique et éducative est surtout valorisante pour ces jeunes. On fait beaucoup de jeux, on s'amuse, on fabrique des choses, on fait beaucoup de travail, on apprend aussi beaucoup de choses. Le Club ZEF continuera de proposer ses services tout au long de l'année aux enfants défavorisés. Une façon simple de sortir les enfants de leur quartier et de leur redonner le sourire.